Sylvain L'Espérance, bienvenue dans cette entrevue, cet entretien. Merci. Donc, on présente un fragment d'une œuvre, de ton œuvre, en fait, sur Tank, du 2 septembre au 31 octobre, qui inclut 3 de tes films sur les 5 que tu as tournés en Afrique, La main invisible, Un fleuve humain et Sur les rivages du monde. Donc, justement, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a amené d'abord en Afrique? J'avais tourné un film, qui est en fait un film de commande au Saguenay, où on m'invitait à réfléchir à l'état du syndicat aujourd'hui. Il y avait une série de 5 films. Moi, je faisais le syndicat aujourd'hui, le syndicalisme aujourd'hui. J'avais tourné un film autour des rapports entre disons, une nouvelle manière d'agir des syndicats en partenariat avec l'entreprise. Donc, c'est un film sur la papetière qui était à Ville-l'Abbé à ce moment-là. Mais pendant que je faisais mon film, les gens me disaient « Mais s'il y a un film à faire sur le Saguenay, c'est un film sur l'Alcan que tu devrais faire. » Et là, je me suis intéressé à l'Alcan. J'ai découvert que la bauxite qu'utilisait l'Alcan venait de Guinée. Et j'ai imaginé donc un film qui parte l'extraction des matières premières en Guinée et qui arrive jusqu'au Québec. Bon, le film, c'est pas mal transformé en cours de route. Je n'étais jamais allé sur le continent africain, donc chaque voyage que j'ai fait était une découverte. Et le film s'est transformé à la lumière de ces découvertes-là. Mais il est resté quand même, le cœur du film est resté là. Ce que j'ai filmé, c'est l'extraction de la bauxite. J'en ai fait un film plus poétique, plus métaphorique, qui est moins analytique, qui laissait plus de place à la force vive des Guinéens. C'est drôle, tu parles de syndicalisme et tout. Ça me fait penser que tes films, en général, sont beaucoup sur le travail. Ouais. Souvent le travail manuel. Et c'est un peu, d'ailleurs, le jeu de mots de la main invisible. Je sais pas si tu peux parler de ça. Oui, ben en fait, la main invisible, c'est tiré là, d'une maxime de l'économie du 18e siècle qui disait qu'il faut laisser l'économie suivre son propre chemin. Et l'économie, en la laissant libre, va réguler les forces sociales puis va partager de manière équitable envers toutes les couches de la population. Donc, c'est une maxime économique qui est encore utilisée aujourd'hui par tous les néolibéraux qui nous invitent donc à laisser les forces libres du marché. Mais quand on est en Guinée-Conakry, on voit bien que c'est absolument faux, c'est-à-dire que les forces libres du marché font en sorte qu'on exploite la matière première guinéenne. Et que les Guinéens, eux, reçoivent très peu des retombées de cette exploitation-là. En contrepartie, il y a en Guinée beaucoup d'une économie parallèle, on peut dire. Et dans cette économie-là parallèle, c'est une économie artisanale. Et c'est celle-là que j'ai filmée, donc on voit beaucoup le travail des mains. Donc c'est une économie qui est invisible. Parce qu'on n'en tient pas compte, on la considère comme marginale, voire illégale, parce qu'elle rapporte rien à l'État, mais c'est en même temps l'économie qui fait vivre vraiment les Guinéens. Ouais. Est-ce que tu peux parler justement de l'aluminium? En Guinée, donc, on extrait la bauxite de Guinée, mais il n'y a aucune usine de transformation de l'aluminium. La bauxite, on peut dire que c'est un marché captif, c'est-à-dire que les multinationales sont elles-mêmes propriétaires des usines de bauxite. Elles extraient la bauxite à un coût dérisoire et c'est donc pas rentable, mais elles se vendent à elles-mêmes la bauxite et là, c'est là qu'elles font leur profit. Donc, l'industrie de la bauxite est une industrie à perte et les Guinéens, eux, la seule manière qu'ils ont eue de réutiliser l'aluminium, c'est en recyclant de manière informelle les canettes d'aluminium qui viennent des canettes de boissons gazeuses. Voilà. Donc pour moi, je voyais vraiment comme le contraste très fort entre l'immensité
des usines d'extraction, ce que ça demande comme énergie, ce que ça demande comme, comme infrastructure, comparé à une infrastructure absolument minuscule, celle de la fabrication des canettes d'aluminium, des chaudrons d'aluminium en aluminium, voilà, c'est ça. On retrouve une espèce de contraste comme ça dans ton premier film, qui est un court-métrage qui s'appelle « Les écarts perdus ». Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, parce que justement, il y a tout l'aspect manuel qui est opposé, qui est en fait la fabrication du papier artisanal, la fabrication de silex, etc., dans « Les écarts perdus », qui est opposé à l'industrie. Ouais. Est-ce que c'est un souci... Ben, c'est un souci. Ouais, dans tous mes films, la question de l'économie est au cœur de tous mes films. Dans Les écarts perdus, peut-être que l'économie est un peu mise à distance. C'est plutôt le chercher dans la transformation de la matière un lien avec ce qu'on a été comme ce que l'être humain a été, c'est-à-dire dès le moment où il a commencé à transformer des outils. J'avais cette idée là, que j'avais lue, que l'homme qui a 25 000 ans a fait les premiers outils, cet être humain-là est exactement le même aujourd'hui. C'est-à-dire que sa structure mentale, son intelligence est exactement la même que la nôtre. C'est juste la technologie qui, elle, s'est transformée de manière radicale. Donc, j'essayais de voir dans ce film-là quel était le lien entre le lien de continuité et les liens de rupture, finalement. C'est ça. Ouais. Et est-ce que tu vois un lien avec La main invisible, justement? Pas vraiment, parce que c'est... Ben, c'est-à-dire qu'il y a un lien dans les rapports de force, on peut dire, ouais, entre toujours ce travail artisanal qui nous a permis d'évoluer, de s'installer dans le monde, et puis l'immensité de l'industrie qui est partout. Donc il y a un lien. La question de l'économie, elle s'est installée au fur et à mesure des films que j'ai faits après Les écarts perdus. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la danse dans La main invisible? Comment t'es tombé sur cette troupe-là et pourquoi elle est aussi présente dans le film? Qui était sur l'aluminium au départ? Ouais. Ben, en fait, j'habitais dans un quartier populaire et c'est dans ce quartier-là populaire, quand je marchais, que j'ai découvert cette troupe-là. Et puis, je les ai côtoyés, fréquentés. J'ai découvert que les danseurs de Soleil d'Afrique, c'était aussi des artisans par ailleurs parce qu'ils ne gagnaient pas leur vie avec la danse. Et c'est eux, ces artisans-là, qui m'ont amené vers la découverte des artisans de l'aluminium. Je les ai mis dans le film parce que dans leur esprit, Soleil d'Afrique, il y a une vision cosmologique dans leur pensée. L'idée du soleil, c'est l'idée de la participation au monde, la participation à la place de l'être humain au sein d'une cosmogonie. Puis c'est des chants traditionnels qui chantent, c'est des fables traditionnelles, mais qui évoquent cette idée-là. Et pour moi, donc, il y avait une sorte d'opposition avec cette idée-là de mondialisation, qui est, elle aussi dit, nous, on prend possession du monde, mais c'est deux manières de concevoir notre manière d'être au monde, mais en même temps de le concevoir de manière globale. En plus que les danseurs de Soleil d'Afrique représentaient tous les groupes ethniques de la Guinée. Et là aussi, il y a une sorte de mondialisation, mais à un niveau plus petit, où cette idée-là d'accueillir au sein d'une communauté tous les différents peuples qui habitent la Guinée. Donc, il y avait déjà là comme une sorte de mondialisation qui est la nôtre. Et puis l'accueil des gens de Soleil d'Afrique aussi, par rapport aux étrangers. Ils accueillent des étrangers de partout, des gens qui viennent faire des stages. Donc il y avait comme entre l'un et l'autre une mondialisation qui exclut et l'autre qui, au contraire, accueille et englobe la participation des êtres à la fabrication d'une œuvre.
passons au film Un fleuve humain. Qu'est-ce qui t'a charmé dans l'idée, justement, de faire un film autour de ce fleuve-là, qui est une espèce de métaphore du cinéma, un fleuve? Hein, c'est... Oui, oui. Ça coule. Quand j'ai fait les voyages que j'ai fait en Guinée, j'ai croisé, parce qu'on pour aller filmer les usines d'extraction, on a croisé souvent le fleuve Niger. Pour moi, ça restait un fleuve mythique dont je connaissais peu de choses, mais au moment où j'ai découvert le fleuve était à sec. Et j'étais étonné que ce grand fleuve soit là, en Guinée, à sec. Et là, j'ai pensé faire un film qui parte de la source jusqu'à l'embouchure. Bon, ça aurait été un film immense, là, parce que le fleuve Niger traverse 6 pays, se jette à l'embouchure, c'est au Nigeria. Mais j'ai commencé à faire des voyages en Guinée, je suis allé à la source, après ça, je suis allé au Mali. Puis au Mali, j'ai découvert cette région-là, qui est le delta intérieur du fleuve Niger, qui pour moi, dès que j'ai découvert cette région-là, j'ai su que le film était là, que tout ce que j'espérais dire par rapport au film, ce que j'espérais découvrir, était là. Parce que le delta intérieur du fleuve Niger, il faut savoir que c'est un espace que le fleuve vient inonder de 40 000 km carrés de terre, selon des cycles de crues et de décrues. Et selon ces cycles-là, les peuples qui partagent ce territoire-là vont apprendre à vivre avec le fleuve selon ce mouvement-là. Et ils partagent, mais véritablement, le même territoire, c'est-à-dire qu'à certains moments de l'année, quand le fleuve est inondé, on va pêcher. Quand le fleuve est en décrue, on va cultiver. Et puis après, les bœufs vont traverser ce même fleuve-là. Donc cette organisation-là, ce partage du territoire, a nécessité toute une négociation entre les utilisateurs où ils ont trouver une manière de régler les conflits, parce que c'est un territoire que tu partages. C'est les moments de transition qui étaient problématiques. Et la société s'est construite pour régler ces moments de transition-là, pour faire en sorte que tout le monde puisse en vivre sans qu'il y ait de conflit. Parce que s'il y a un conflit, toute la structure de la société s'écroule. Alors je trouvais qu'il y avait là vraiment comme une force génératrice entre le territoire et la société que ce territoire-là a fait naître. Puis la découverte du territoire est absolument extraordinaire, c'est-à-dire la lumière du fleuve. Quand tu es là pour la première fois, c'est incroyable. Donc j'ai vraiment, je suis tombé en amour avec cet espace-là, puis avec les gens aussi qui m'ont accueilli de façon très simple et très ouverte. Ouais. On pourrait dire que ça paraît dans ton regard, puisque tu as fait la caméra ouais. de ce film-là et de tous les suivants, d'ailleurs. Oui, ben oui. On reviendra là-dessus plus tard. Okay. Okay. Mais peut-être dire que, dans le fond, il y a quelque chose qui traverse ton film, c'est qu'on sent qu'il y a une pression, justement, sur ces ententes-là qu'il y a eu entre ouais. les peuples ouais. à cause de phénomènes climatiques. Ouais. Est-ce que tu peux... Ouais. En fait, tout en découvrant le fleuve et cet extraordinaire espace, ce que je découvrais, c'est aussi que cet espace-là est fragile et que c'est probablement au moment où je filme un moment de transition, c'est-à-dire que tous ceux qui vivent du fleuve voient comment le fleuve n'est plus ce qu'il était, comment la pêche est en train de s'appauvrir, comment pour les bateaux aussi, c'est devenu compliqué de naviguer sur le fleuve parce que le fleuve s'ensable. Pour les agriculteurs aussi, pour les bergers, pour le bétail, c'est devenu problématique parce que le fleuve n'est plus aussi nourricier qu'il l'était. Donc, ils sont tous en train de négocier avec cette transformation-là du fleuve. À une époque où on en parle, mais on en parle, disons pas avec la conscience de l'effondrement climatique qui est le nôtre aujourd'hui. Eux, ils étaient là déjà depuis longtemps, au moment où moi je filme, c'est leur quotidien, cette négociation-là avec le fleuve. Mais visiblement, leurs paroles comptaient peu. Ils sont loin de l'État, ils sont loin des pouvoirs décisionnels, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce qu'aurait demandé la transformation
qu'il aurait fallu faire pour régler ces problèmes-là, ça aurait été des travaux super importants sur le fleuve que l'État malien n'est pas capable, n'a jamais été capable de couvrir. Et donc, d'une certaine façon, ils sont des victimes de l'effondrement climatique. Effondrement qu'ils n'ont pas provoqué, mais d'aucune manière. C'est-à-dire, il n'y a pas, le long du fleuve Niger, il n'y a pas d'industrie. Donc, eux, ils n'ont aucun profit de l'industrialisation. Ils ont juste les contre-coups de l'industrialisation qui est en train de transformer leur monde. Ouais. La main invisible a été filmée par Jacques Leduc, ouais. un grand parmi les grands. Oui, oui. Ouais. Ensuite, tu as décidé de te réapproprier la caméra. Ouais. Et même par la suite, le montage, mais c'est à partir de... C'est-tu Bamako ou c'est à partir de... Oui, Bamako, temps suspendu. Ouais. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu peux parler de cette réappropriation-là? Oui, bien, ben, j'ai eu un bon prof, on peut dire, avec Jacques Leduc. J'ai fait deux films avec Jacques. J'ai appris un peu à accepter qu'en documentaire, tu accueilles les choses plutôt que tu décides. Il y a une part importante du documentaire. Il y a un travail important qu'on fait qui est le rapport avec les gens qu'on filme. Mais une fois que ce travail-là est fait, de mise en confiance, c'est eux qui déterminent un peu ton travail de mise en scène. Et c'est de leur générosité que tu vas arriver à faire un film. Ça c'est quelque chose que j'ai appris avec Jacques, un peu calmé. Moi, j'arrivais hyper nerveux sur les tournages, voulant organiser, contrôler. J'ai appris à laisser un peu, mettre un peu ça de côté. Puis avec les Guinéens, avec les Maliens, ça a été quelque chose de profitable, si tu veux. C'est-à-dire que tu vas selon le rythme des gens et tu vas avec ce que les gens sont prêts à te donner. Puis quand il y a cet équilibre-là qui s'installe, bien, il y a une générosité naturelle. Et pour ça, il faut du temps. La question d'un fleuve humain, c'est que j'avais une bourse du Conseil des arts, c'est tout. Donc, je voyais comment j'allais être pressé par le temps si je partais avec un caméraman, mais je me suis dit, bon, ben j'y vais, tant pis. Mais j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, faire la caméra, et que je pouvais combler mes erreurs de caméraman par le temps que j'allais y consacrer. Donc, j'ai pu voyager plus souvent au Mali en étant mon propre caméraman. Et puis j'ai appris à faire la caméra, mais toujours avec un peu l'héritage de plusieurs tournages avec Jacques Leduc. Tu en avais fait un peu aussi pour les Printemps Incertains. Oui, j'en avais fait un peu, c'est ça. J'aimais ça, faire la caméra, mais je trouvais porter la caméra, faire des entrevues. Bon, avec les Printemps Incertains, c'était avec une caméra film, c'est beaucoup plus compliqué. Avec les caméras vidéo, c'est devenu beaucoup plus facile. Il y avait... c'était plus simple. Les outils automatiques permettaient de combler un peu les lacunes de tremblement de caméra, etc. Mais j'ai vraiment découvert que j'aimais ça et que j'avais le sentiment de pouvoir, disons, m'approcher plus précisément de l'expérience que j'avais du tournage. J'étais moins spectateur de quelque chose qui était en train de se faire. J'étais partie prenante. Les gens me regardaient, moi, directement. L'intimité que j'avais avec les personnages, que j'avais développée dès la recherche, mais quand j'arrivais avec la caméra, il n'y avait pas cette rupture-là de tout à coup deux personnes de plus. Non, c'était à moi qui s'adressait. Puis on le voit dans Un fleuve humain, il parle de Sylvain. Après ça, je n'ai plus voulu m'en passer. C'est ça. Et pour le montage? J'ai tourné un film que j'ai jamais terminé pendant la grève de 2012. Et puis, c'est un film sans argent. Puis la seule manière de le monter, de faire un pré-montage, c'était de devenir le monteur du film moi-même. Et c'est le fils de ma conjointe qui lui, avait aucune barrière avec la technologie, qui a commencé à monter le film. Puis à un moment donné, il a dit, viens t'asseoir à côté de moi, tu vas voir, c'est simple. Et puis, à travers ce film-là, j'ai démystifié un peu le travail de montage. J'ai fait un film Bamako, temps suspendu. Court film tourné dans une période de recherche. Et pour le film le plus important là, au niveau du montage, c'est Combat au bout de la nuit. J'ai commencé à monter le film en me disant que c'était quand même un projet important, gros pour moi. Je n'étais pas certain que j'avais les aptitudes pour le monter, mais il fallait que je fasse la traduction de
de tous les entretiens. Donc, j'étais accompagné par des traducteurs. Donc, tout ce travail-là de base, c'est moi qui l'ai fait. Puis, à un moment donné, j'ai compris que j'avais une longueur d'avance sur n'importe quel monteur, que j'étais aussi bien de le monter moi-même. Et puis, ça m'a juste confirmé que là aussi, il y a quelque chose dans le montage qui est de l'ordre de l'écriture. Même si j'étais présent tous les jours dans la salle de montage avec les films que j'ai montés, avec René Roberge ou Mathieu Bouchard-Mano, j'ai eu le sentiment que là aussi, il y a quelque chose qui se précisait, un travail d'expérimentation que je pouvais pousser plus loin. Et on le voit à partir de Combat ou la nuit, il y a une dimension expérimentale qui s'installe dans certaines séquences des films que je pense que je ne pouvais que faire moi-même, que ça aurait été difficile pour un monteur de faire à ma place. C'est aussi une question d'économie. Mes films se sont faits avec peu d'argent, toujours. Et peut-être qu'il y a comme une circonstance où je suis un peu paresseux pour la recherche d'argent, puis j'ai comblé cette paresse-là en disant, bien, en faisant les films, en faisant pas mal tous les postes moi-même, bien, j'arrive à faire des films avec peu de sous. Voilà. Dans Un fleuve humain, il y a un aspect formel un peu différent de tes autres films. Il y a une voix off. Est-ce que tu peux parler de ce choix-là? Oui. Je trouvais, à ce moment-là, je trouvais important de dire « je », parce que c'est un regard qui filme un pays qui est autre, dont je reste un étranger. Et de simplement de faire le film à la première personne, ben ça inscrit l'idée que ben, y a une personne qui filme. Et puis comme c'était la première fois que je faisais la caméra, ben, ça me semblait naturel d'y arriver, de faire ça. Il fallait aussi donner un peu d'information, et cette information-là, j'espérais la donner par une parole, voilà, par ma parole. Au cœur du delta, le fleuve s'élargit pour former le lac d'Ebo. En pleine crue, le lac semble aussi vaste qu'une mer. Mais à l'étiage, l'eau qui s'est retirée a laissé place, ici même, à un vaste pâturage. Les bergers y ont fait paître leurs troupeaux et il ne reste plus maintenant qu'une route qu'empruntent les commerçants et les villageois pour se rendre au marché. Fleuve, pâturage et chemin. Trois états d'un même lieu en perpétuelle métamorphose. Ça s'est imposé naturellement. Puis après, vois-tu, il y a eu d'autres films comme Combat au bout de la nuit, où finalement, c'est une voix poétique qui est dite par une grecque. Donc là, je me mets complètement à distance. On dirait que chaque film impose sa manière de faire. Ouais. Pour en arriver sur le rivage du monde, est-ce que tu avais croisé pendant le tournage des autres films des migrants? C'était quoi ton désir ou ton souci de parler de ce sujet-là? Dans un des voyages que j'ai fait pour Un fleuve humain et pour Intérieur du Delta, il est arrivé à un moment donné où j'ai vu un camion plein, un gros camion rempli de migrants qui s'en allaient vers le nord. Donc, eux s'en allaient vraiment à la frontière, dans les villes frontalières du Mali et de l'Algérie. Et là, ça m'est apparu comme... tu sais, c'est comme une réalité dont on parle, mais quand j'ai vu ce camion-là, j'ai dit « OK, c'est pas une petite chose, là. Il y a vraiment comme presque une industrie de la migration qui existe. » Et donc, j'ai voulu commencer à travailler ce sujet-là. Ben, j'ai commencé simplement, là. Donc, quand je suis allé présenter Intérieur du Delta au personnage, parce que ça, c'est toujours quelque chose que j'ai fait dans tous mes films, c'est-à-dire à chaque fois que je faisais un film, je disais aux gens que j'avais filmé que j'allais revenir leur présenter le film. C'était pour moi l'occasion de partir une nouvelle recherche. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait des recherches à Bamako. J'ai rencontré l'Association malienne des expulsés. Et eux m'ont vraiment comme ouvert la voie, m'ont fait comprendre c'était quoi la réalité des migrants. Puis, ils m'ont accompagné dans le travail de rencontre des migrants. Ils avaient des antennes sur le territoire malien, au nord du Mali. Et souvent, ils recevaient à Bamako des migrants qui avaient été refoulés dans le désert.
Et c'est eux qui m'ont fait rencontrer César, qui est un des personnages de Sur le rivage du monde. César, c'est exactement ça son histoire, c'est-à-dire qu'il a tenté de se rendre en Algérie, mais en fait, il a réussi à se rendre en Algérie, mais son but, c'était d'atteindre l'Europe, mais il a été refoulé maintes et maintes fois dans le désert. Il y avait une histoire complètement abracadabrante avec les refoulements. Et c'est au bout d'un sentiment de parfaite impossibilité qui a fini par s'installer à Bamako, dans un pays où on le tolère sans l'accueillir vraiment, mais où il essayait de faire comprendre aux Maliens c'était quoi la situation des migrants d'Afrique, d'un peu partout. Lui, c'est un Camerounais. Et à travers ce groupe-là qu'il a formé, il a fait un groupe de théâtre. C'est les gens donc de l'Association malienne des expulsés qui m'ont fait rencontrer. Et eux me disaient, on fait du théâtre, là, mais c'est du théâtre de rue. C'est vraiment juste pour sensibiliser les gens. Je l'ai rencontré quelques jours avant mon départ du premier voyage. Mais on s'est échangé par courriel. Et quand je suis rentré à Montréal, il m'a envoyé tous les textes qu'il avait écrits. Puis moi, je trouvais qu'il y avait vraiment là la matière à faire un film. Là. Que, je veux dire que ces textes-là étaient suffisamment forts pour partir de ces textes-là. Puis là, ben, c'est ça le travail qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que mon travail a été de les convaincre que c'était une matière à faire un film. Eux, ils n'étaient pas trop certains de ce qu'ils avaient entre les mains. Mais à partir d'un certain moment donné, on a vraiment travaillé ensemble pour faire le film. Puis c'était ça l'idée, c'était de faire un film ensemble à partir de leur histoire et de leur texte. Ouais. J'aimerais parler un peu de la forme de tes films, qu'on pourrait qualifier peut-être d'impressionniste. Est-ce que tu as une inspiration, par exemple, de Van der Kuiken, ou comment t'en es arrivé finalement à cette forme-là, qui est quand même assez constante dans tes films? Sauf les deux derniers, puis Les écarts perdus, qui sont plus expérimentaux. Ouais. Ben, moi, je viens du cinéma expérimental, donc j'ai pensé, au départ, je pensais vraiment que c'était ça les films que j'allais faire. Puis j'étais comme happé par le cinéma documentaire à partir des Printemps incertains, où au départ, j'avais conçu Les Printemps incertains comme un film expérimental. Et puis, c'est comme si, peu à peu, dans le cours du film, je l'ai ouvert à une dimension plus expérimentale, mais plus documentaire. Et bien, il y a eu, à un moment donné, un vrai basculement. C'est devenu un film documentaire. Mais j'ai toujours eu le sentiment que j'avais une dette envers le cinéma expérimental, et j'ai tenté de conserver dans tous mes films une part expérimentale, plus liée à un pur travail de perception sur les lieux, sur la lumière, sur l'espace. S'il y a un cinéaste qui, pour moi, a représenté, si tu veux, la conjugaison parfaite du cinéma expérimental et du cinéma documentaire, c'est Van der Kuiken. C'est sûr que c'est une influence importante. Qui m'a accompagné dans tous mes films. Je trouvais que c'était le cinéaste qui arrivait à faire en sorte que l'un et l'autre pouvaient cohabiter. Mais dans la dimension... il y a dans le cinéma documentaire un travail de pure perception. C'est au cœur de tous les films. C'est-à-dire que d'abord, le cinéma est un travail de perception. Et j'ai toujours essayé de trouver à l'intérieur des films des moments hors narration, qui sont des moments de flottement, mais où on regarde, et qui traduisent pour moi le mieux le voyage qu'on fait, comme le voyage que moi je faisais comme cinéaste, qui est tout le temps un voyage où tout ce que tu découvres, c'est des voyages de découverte. C'est pas des voyages de savoir, c'est des voyages même de non-savoir. Et puis ces épisodes-là, ces moments-là, sont des moments, si tu veux, de non-savoir à l'intérieur des films, qui viennent ponctuer les rencontres avec les personnages que j'ai filmés. Qu'est-ce qui te fait basculer vers le documentaire? Ça, c'est comme... on est happé, je pense au Québec, tôt ou tard, on est happé si on... Et j'ai le sentiment d'avoir été happé par le cinéma documentaire, un peu contre ma volonté.
jusqu'à ce que ça devienne ma volonté, avec, c'est ça, avec le sentiment, comme j'exprimais, d'une dette envers la fiction. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à faire du documentaire, tu te rends compte qu'on vient de là, au Québec. On est, et donc, il y a comme une tradition qui nous précède. Moi, je suis un héritier de cette tradition-là, qui m'a accompagné, qui continue à m'accompagner dans ma pensée. Il n'y a pas aussi peut-être un intérêt pour l'être humain? Ah ben oui. Ben oui, clairement, c'est ça. Il y avait, dans le cinéma expérimental, il y avait ce dilemme-là qui était comment puis-je, à travers la forme expérimentale, parler de mes contemporains. C'est ça que je trouvais qui était la lacune du cinéma expérimental, c'est-à-dire qu'on formellement, ça m'appelait beaucoup, mais je me disais, ouais, mais le monde s'écroule et puis comment je vais en parler? Puis le documentaire me permettait d'avoir une prise directe sur la situation de mes contemporains. Le travail que j'ai essayé de faire, c'est de le conjuguer puis de trouver une adéquation dans la forme qui puisse à la fois parler et me mettre en contact avec mes contemporains, mais aussi nous rappeler à chaque moment que le film est un travail formel. Que si tu ne travailles pas la forme, c'est la forme qui te travaille, donc elle va s'imposer à toi, aussi bien prendre la forme dans tes mains. Et c'est là où la personnalité, ma personnalité peut s'exprimer le plus clairement, c'est par le travail formel. Sylvain L'Espérance, merci beaucoup. Merci, Richard.